Mbote na baye banso bakei kolanda beto na ngonga yai alumami. Mbote na baye banso bakei kolanda abeto na Equateur. Pourquoi pas toujours le bela awa amoyo. Mbote na baye banso bazali na kabe ya kamwanga ba. Tous les spectateurs banso ba Congolais Télévision bozali ebele. Na Okatanga, na Tikapa, na Lumami, pourquoi pas na Tchopo. Tolobi matondo mingi po na fidélité na bino sur Congo Live Télévision boza ebele bozo fanda na diaspora bozo linga boye balikambo lizo le kanakati ya République démocratique du Congo précisément dans l'est de la République ya pays na biso na yetongo ya lelo na manaka ya sika oyo eza journée na biso ya sika ko kabela bino basango ya makambo oyo ezo le ka dans l'est du pays bien que boye bieke bamboka moko moko oyo ezalaki kozala oyo tozalaki kotiela elikia oyo bisika tuzalaki kosala résistance lelo ekei deja na kati ya maboko ya ba rebelle du M23 yango toye toko arrêter te parce que banguna bazui kanya bayonga toko arrêter te parce que banguna bazui kaina toko continuer ko informer bino de tout ce qui se passe nini eleki nini ezo continuer nini ezo salema après que banguna bazui kanya bayonga de son côté armée congolaise nini bazo sala oyo aza destiné kokumba bitumba dans la région kuna aza wapi général Siko azo sala nini et comment se comporte l'armée congolaise juste après la chute de Kanyabayonga est-ce que batien de mbona c'est parce que bazui mboka tokoyeba au cours ya manaka na biso le temps que bozo zwa ba installation bozo fanda bisika ba mususu ba fandi bisika ba mususu ba lali ça deux pas na kweni ya mokili ozo kanga biso na quelle manière ofandi me ya malongeza koyeba nous allons aussi connaître tout au long ya manaka o ya lelo eke bitumba ekomeli wapi toyoka ki eke après site ya Kanyabayonga mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abenga ki ba généraux mobimba conseil supérieur à défense ya mboka ba bengana ki bango nyoso ba fandaki eske lelo esengeli totie la elikia na kufanda na bango toko découvrir au cours ya manaka na biso les jeunes résistants wazalendo ba ye oyo balela bandima ko wapo na ekolo lelo bazali wapi ba jeunes résistants oyo baloba na bango eke bakotika jamais ba oyo bazalaki koloba eke Kanyabayonga eza mer rouge ya ba M23 bazali wapi lelo nini message bazo loba kozwa ya ba rebelle Kanyabayonga est-ce que eza signification directe koloba eke banguna ba ko avancer ti na Butembo eza mituna oyo eza na mitu ya ba Congolais bazo mipesa au quotidien raison pour laquelle toya kaka awa mukolonyo sokopesa bino vraie information parce que le fait déjà que munguna akoti Kanyabayonga est démoralisé belé le fait que munguna a détourné qui nzela oyo principal bisika bazela ki kobetana a emprunté ki sentier oyo etika ki a kwelela na kati ya Kanyabayonga est-ce que wanande epesi lelo déjà courage ya koloba to bungisi elikia okuru ya manaka oyo tokoyeba bosolo na kati ya likambo ezali wapi. Alors, l'état que tokomaki moi et belé, boko toleré biso parce que tokotanga pas moi et belé, pour que to sale la bino compréhension normale, ya likambo oyo lilo sale manakati ya mboka na biso, RDC, parti Est. Depuis dimanche, les rebelles du M23, soutenus par les Rwanda, l'Ouganda, naba alié mosusu batikali na anonima balingite komimonisa, ont atteint Kasenge, chef-lieu du groupement Musindi, situé à environ 20 km au nord de Kirumba. Les grands centres commerciaux du territoire de Lubero qu'ils ont conquis samedi. Mais depuis le lundi, ils n'osent plus avancer sur la route nationale en direction de Butembo. Ils sont butés à un important bouclier de l'armée congolaise soutenu par les Wazalendo au village de Alimbongo. Bazwa ki bamboka wana depuis samedi. Bazwa ki mboka oye singla ki bazwa d'après circonstances oye comme elle parce qu'il n'avait pas espoir à kuzwa mboka wana. À peu près presque 3 semaines. 3 semaines ele ki bitumbe sale maka chaque jour to belela awa to loba
Topanza sango, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kanyabayonga? Mais ndenga bitumbeza na ba réalité ebele, mbuna zwa ki mboka wana. Mais est-ce que le fait que mbuna zwa ki mboka wana etindi lelo eke ba FRDC deja ba bungisa elikia? Que les rebelles tentent avancer vers Butembo. Azana ba ide wana. Parce que na meeting oya sala ki na kokota na ena Kanyabayonga balubaki eke. Bokende koyebi sabandeko oyo ya Butembo eke toza na nzela. Bango bazu yango je, ba aventure bazo sala. Bazu yango lokola je. Plusieurs bazo loba eke to, botika bilobela, botinda basoda, botika bilobela. Vous savez que même au niveau interne ya mboka na biso toza na ba problème. Vous n'allez pas oublier ici aujourd'hui que les gens oyo bazo former M23 du côté mosusu baza ba congolais oyo bayebi basekele ya mboka. Nangaza mutu oyo asaki kusana na seli ayebi biloko ndenge salemaka. C'est un ancien. Il n'était pas nouveau venu na seli. Aza ancien na kati ya ba institution étatique na biso. Tozana batu oyo. Le fait que bazana nou na kote ngambo na biso me bazo kolabore na baye oyo basiba kenda. Tout ça il faut travailler. Et eza musala oyo eza ya biso nyoso. Alors, retenez que avantir oyo balinga ki basal yako sala avance vers Butembo parce que le fait que bazwa ki kaina le fait que balingi bazwa pena Kirumba bazo kanisa ke ba ko avancer ti na Butembo raison pour laquelle les jeunes ya Lubero ba jeunes ya territoire ya Lubero ba bandi ko sala biloko na kati ya nzela oyo ezo mené entre Kanyabayonga na Butembo boyokaki. Eza na onze moko oye batumbaki ba vekil na bango. Banani, ba jen en colère. Le fait que tozo encourager te, biloko ba salaki. Me bango ba lobiye ki eza ko banga ke le rebelle avance vers Butembo. Alors, lundi, eza la ki lobi, e bandeli ya sanza, e bandeli ya semaine, e bandeli ya journée. Ba M23, ba oza ki lisu soute. Na route nationale, où ils ont la direction à Butembo, ils sont bités à un important bouclier de l'armée congolaise et des jeunes résistants Wazalendo au village de Alimbongo. Baza bloqué à niveau wana. Des autochtones qui se sont confiés na média na biso, bazo signaler que les rebelles, bazo linga, ba devient mbingi, eza moko ya ba localité. Localité située à environ 17 km à l'ouest de la route nationale. Bazo lingaba devie. Bango basi ba yeba eke. Banzela nyoso oyo. Soki bazui nzela normal. Bako le kate. Parce qu'il y a une forte résistance. Ni des jeunes ya bamboka wana. Ni ya armée congolaise. Mais na bazo sala toutefois eke. Bazo sala ba devia ka toujours banzela. Pour que ba avance. Lelo tozo benga. Eza ba information ezo ya dans le coin. Que ba rebelle, ba zousi ba bime, nzela, oyo, eza normal, ba zo emprunter ba sentier. Pourquoi pas ba wazalendo, bino pe bo emprunter ba sentier, oyo kaka ba zo ba oya banguna ba zo emprunter. Eza ka moussala pe bino bo pe bo kosal. C'est normal que vous aussi, vous pouvez le faire. Eza normal que bino pe bo kosala yango. Alors, Tokolobela makambo ebele des autochtones oya mboka wana ba fait connaître la région les doutes des scénarios. Premièrement, en empruntant l'axe Mbingi, soit les rebelles veulent rallier la région de Kasugo pour atteindre facilement la cité de Lubero, 45 km de Butembo, et ainsi éviter la route principale aussi longue que risquer pourrait plutôt. Donc, bazo banga pe, bakata banzela, sentier mike mike, bazo banga nzela, oyo, ezana ba risque belé pour na bango. Deuxièmement, ils veulent passer par Mbingi, en vue de rejoindre la région de Bunyatenge, riche en or, située à une cinquantaine de kilomètres de Mbingi, mais rien ne cire pour que Bunyatenge soit pour l'instant leur objectif, car la région est non seulement le quartier général du seigneur de guerre Kabido, mais elle a aussi des routes impraticables
qui peuvent empêcher la mobilité des troupes rebelles qui se déplacent aussi dans deux véhicules. Donc, vous comprendrez que nous sommes basés à l'aide de certaines personnes oyo un jour bazalaki batu oyo bazalaki kosala biloko na kati ya gouvernement congolais. Maintenant, deuxième point na biso, comprenez déjà premier point que les rebelles bazo kima nzela oyo sengeli ba emprunter parce que basi batandre bango ba embuscade na ba piège et pa ya bazalendo bazalendo na FRDC basi bazui banzela moko moko oyo eza difficile chez l'ennemi ni d'avancer ni de reculer. Et que les lots, les cambouilles, les maïques, même le jeune de Boutembo, Boyoka qui va manifestation, ça les maïques na Boutembo. Bazo banga, parce que Boutembo, eza ville moko commerciale, eza na biloko ebele. Si les yeux de Nanga et Tiki komo na Boutembo, c'est-à-dire ba vide ba stock ya ba magasin. Il y a quelques temps ici, Boyoka qui va iba qui va panneau na. Na Bunagana na ba bureau ezalaka na frontière Bunagana wana ba ibaki na ba panneau na ba bido même les effets bureautiques nyoso bazwa ki ba kei nango nyoso ba kenda ki nango et à combien plus forte raison ki ba koma na Butembo qu'est-ce qu'il faut faire scandale na scandale ça dit mobilisation ya ba jeune oyo bazana ngo le lokolo ba eke esengeli mungu naza la repousser. Repousser encore, repousser et sengeli et continuer. Bazen oye bazo mitanda, y bazo sala ba patrouille dirne, nocturne, au long et en zela. Boye ba eke, même le M23, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui nous suivent de l'autre côté. Boye ba déjà que bazo emprunte ba sentier. Ba sentier oye bazo zoua, en soyeli ba netaka katoroka. Là vous me comprenez très bien, donc l'enzela oye bazo leke là, on appelle ça katoroka. Banzela mike mike wana. De balé que la kayango pour qu'il va atteindre facilement nzela oyo mboka oyo balingi ba komela boza la vigila boza la mayele et puis tozo espérer que bisika bozali eloko ekokweya te aza wapi azo sala nini baza wapi bazo sala nini le général Chikoti Tambwe plusieurs questions venues d'aller kwe aza wapi azo sala nini troupe oyo azana ngo eza wapi ezo sala nini. Des vidéos confiées par l'armée congolaise, porte-parole, il y a Bisika Oyo, il y a Nord, Fond Nord, c'est-à-dire, Oyo Bazo contrôlé, Bitumba, Bisika Wana, confié Bisso déjà, na vidéo Moko Oezo le Kaeke, Mokonzi ya Bitumba Kuna, Mokonzi ya Opération Kuna, Général Tiko, Azo réorganisé Basoda, Musika Te ya Kanyabayonga. Eza pene ya Kanyabayonga. Bazo zwa ba moto, bazo dirije bango, batindi bango kuna na kotoyo, eke biloko wana ezo salema. Il y a de témoignage ya ba habitat autochtone ya bisika wana. Nini bakwe bisabiso, toyo kananu eloko oyo a zolo ba habitat oyo. Nini, kele témoignage oyo ya zolo ba na bisika wana, bisika armé e zali. Ezo mi réorganisé ni nezo le ka au juste parce que vous savez il faut topé sa kabino vraie information information vérifiée na ba preuve télé za radio té sengeli bomo na bino 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 moko biloko ezo le ka to landela oyo azolo ba témoignage oyo azo déclaré habitat ya mboka wana et puis on se retrouve juste après pour na to continuer na ba élément mosusu. Majina ni Paluku Mate Moise, hapa tuko Alibongo. Hapa kabisa tunaona kwa kubagishi mkubwa anafika hapa. Tunaona vya maana kabisa basudavi kuna sukumiwa kwenye walikimbia na kuingia mtu na shukuru sana kwa gishi generale ye peke peke. Anaanja tosha basudamu eneo kwenye tuko kubavu. Urudisha kwenye balikuwa na bashato. Komanda Fro Nord, kwenye balikuwa natuka kufika hapa njo. Tunafurahi kubarudisha kwenye balikuwa na basha toka. Fimbo make, soda iko nafaa manyanga mara moya, bana bapiga fimbo kusudi barudia kule kuhulinyi defroko. Iko na balipia mamotu make, iko naita ba motare, bana lipa motare, akisha onekana, bajuba motare balikuwa na habiko tena mubarikingi, make motare liko na muona, anafika pale, bana lipa motare, anashambika ba soda, banaenda kuhulinyi defroko.
na kubapatia na karibira kama moto bana bana moto yenye haina karibira ubie banapata motare kama hana esasi kwa njua palimbongo hakuna fasi kwenye viko nolisha tena esasi njo viko na esasi viko na tia moto esasi kusudi bapeleke basuda ku ligne de front. La morale à la soirée, c'est une belle qui fait que ma casserie, mais quand on est au Kabisa, il n'a pas surpris, 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 il n'a pas Apparemment, l'engagement de la FARDC est positif. Dès mois d'Ira, pour la sécurité de Kanyabayonga, la population de Lubero félicite déjà. Mbo wana boyoki ndenge botiki koyoka ba témoignage ya ba habitants ya mboka wana bango moko bazo confirmer lelo eke armée zomi réorganiser bien que mboka wana ekweyaki Kanyabayonga ekweyaki armée zomi réorganiser pour que emona boni ekotia munguna libanda ya mboka na biso. Eza atakutu na ba rassemblement oyo bazo sala ndenge bozo tana ba video wana bisika ye azoye bisaba soda eke elika ya mboka lelo efandi bisika bango bazali eke la population eyebi peuple congolais eyebi eke bango nde bako libere ba mboka nyonso wana c'est la jeunesse congolaise oyo eko libere Bambo kanyoso oyo banguna basi bazui. Ce n'est pas ba expatrié oyo ya nansio zinine bako libere yango. Te, eza mission onisienne, c'est pas la eza mission onisienne te, ne bako libere ba localité oyo ezo kwea. Ce sont des jeunes conscients, des FRDC conscients, des Congolais conscients. Et je l'ai toujours dit que l'affaire de la guerre dans l'est du pays concerne tous les Congolais, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, ça concerne tout le monde. Que vous soyez fille et que vous soyez garçon, ça concerne tout le monde. Mais ce qui fait mal au cœur est de voir plusieurs jeunes Congolais sont distraits. Plusieurs même d'entre eux ne sont pas informés sur le fait qu'il y a la guerre dans l'est du pays. Plusieurs d'entre eux ne sont même pas informés. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans l'est du pays. Quand Kanyabayonga est parti, il y a des jeunes qui s'en foutent de cela, qui ne sont même pas informés. Pour eux, ils disent que c'est même normal que le M23 arrive à Goma. Ça, c'est pas normal, ça. Il y a des jeunes qui soutiennent cela. Il y a des personnes qui ne se soucient même pas de ça. Et comment nous estimons gagner une guerre le temps qu'il n'y a pas une mobilisation, même au sein de la jeunesse? Comment est-ce que nous estimons gagner une guerre le temps qu'il n'y a pas de jeunes qui sont conscients et qui se disent que l'affaire de la guerre nous concerne. Il n'y a pas de jeunes qui pensent qu'il est possible pour eux de mettre fin à cette agression rwandaise. Des jeunes qui prennent conscience, des jeunes vêtus d'esprit, des jeunes qui savent que la guerre, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement congolais. Ce n'est pas seulement l'affaire de Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'affaire d'abord de la jeunesse. C'est l'affaire d'abord de tous les Congolais. Ce n'est pas seulement l'affaire de militaires congolais. Raison pour laquelle il y a eu de jeunes résistants Wazalendo déterminés. Ils se sont dit, pour eux, c'est soit la guerre, soit rien. C'est soit la patrie ou la mort. Yango batika koloba même ke bendele kokoyate. Ils se disent que pour que Mboka oye kende et sengeli dernier moutou akoufa. Mais bino ba mosu boza wapi. Ba distraction kaka. Ba distraction na limete, ba distraction wapi. Boza kana katia distraction. Bola muka, baka ba est mboka te. Parce que eza affaire est concerné bino nyoso. C'est une affaire qui nous concerne tous.
que vous soyez au diaspora, que vous soyez en République démocratique du Congo, que vous soyez partout où vous soyez, que vous soyez au Rwanda. Parce que nous avons aussi des jeunes, nous avons aussi des Congolais qui vivent au Rwanda. Sachez que cette affaire concerne tous les Congolais sans exception. Et que nous devons mettre fin à cette agression rwandaise. Voilà donc Olikambo, Lido, Salema, Basoda, Bazomi, réorganisé. Nakatia Nord, dans la province du Nord, Kivu, parti dans le Nord, Bazomi réorganisé pour que ba récupérer de nouveau Bisika Oyo, ba M23, Basiba Zoua. Bisika Oyo, ba M23, Basiba Kaba. Bisika Oyo, ba M23, Basiba Fandi. Et que pour eux, c'est encore possible de se réorganiser. Bazozo ba moto, bozo mona ba jeune motard. Des jeunes motards qui prennent leur moto pour aller déposer les militaires sur les lignes de front. Quel est un niveau qui compatriotes ni nuana. Est un niveau élevé. Ya koyeba eke les lobitumba ezo salema, eza bitumba na biso. Et c'est qu'il faut défendre Mboka na biso. Parce que ceux qui bakoti ils vont coloniser biso. Ceux qui bakoti ils vont bouma biso. Ceux qui bakoti biso nde la première victime ya likambowana. Alors, au lieu ya kondima bakota, toko sala nyoso pour que bakota te. Donc, retenez aujourd'hui que malgré l'échec qu'il a commis, parce que ça échec, et ça succès, et ça échec, ça il faut accepter, ça échec. Mais la population tient toujours debout et dit Doza si Mayaba FRDC. Malgré ce qu'on est Zouaki, Bazomi réorganisé. Et Sengel Topé Sabango moral. Et Sengel Tomon Sabango qui est Zoukate. Ce n'est pas la fin de la guerre. Ce n'est pas la fin de la guerre, chers militaires. Chers FRDC, Zoukaya Bitumbate. Réorganisez-vous comme vous êtes en train de le faire. La guerre dans l'est du pays. L'espoir ne se repose pas sur une seule personne. Non, non. Ce n'est pas seulement sur Chico. Il n'est pas le seul Oyazo Salabitumba. Ce n'est pas seulement pour le militaire congolais. Basoda est à deuxième rang. Basoda est caporal. Obazolandabiso. Retenez que Bozana Elikia Oyo Eza Simanabino. Bozana Batu Oyo Bazo Banza. Et que Ezana Tina Mingi. Eza ya Malonga. Et que vous continuez Bitumba. Et que vous avez le soutien du peuple congolais. Vous avez le soutien à ba congolais ba fanda na diaspora. Bozana soutien à ba congolais oyo bazo fanda na kati ya mboka Congo. Et que ba estime que c'est sur vous que l'espoir ekotika la pe ekotika la mokolo nyoso. Aucun congolais digne de son nom peut être fier. Ya avancé à M23 et ko sale maté. Aucun Congolais digne de son nom, a kondi malelo. Mokanabiso est à la balkaniser. Toloba non à balkanisation, affiché dans les commentaires, le temps qu'on finit cette émission, affiché partout. Tia idée na yo, qu'est-ce que vous estimez, qu'est-ce que vous pensez pour que ton mettre fin, Bitumba Oyo? Vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui? Naba FRDC, qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui à Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC? Qu'est-ce que vous suggérez au peuple congolais? Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays? Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de nous avoir donné votre attention. Merci de nous avoir entendu du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir accepté d'être informé par nous. Nous vous disons merci pour cela. Nous vous disons merci de votre fidélité. J'étais Youssoufou Kibingila David qui vous avait apporté cette information. On se fixe un nouveau rendez-vous à demain pour d'autres actualités.